Bonjour les amis, petite revue concentrée aujourd'hui, encore déconcentrée, oui toujours déconcentrée pour le taille. On part voir mon ami Aymeric de la Réunion pour de nouveau concentrer de sa création, le Palacinca et le Fruit Blast, merci les voisins. Alors, fait le 27 avril, donc plus d'un mois, pourquoi? Puisque ce Palacinca, comme tous les autres concentrés qui sont sur le site d'ANVAP, ont une BMC, bon, meilleur conseiller, le Palacinca a une BMC de 10-21-40, ce qui veut dire qu'il est bon à 10 jours, il est conseillé à 21 BMC. Il est bon à 10 jours, il est meilleur à 21 et il est conseillé à 40 jours de ce type. Conseillé. Par contre, le Fruit Blast, c'est 5-14-21, donc on a largement dépassé. C'est pas grave. Est-ce que j'ai encore les fioles de concentré de mon ami Aymeric? Je ne suis pas sûr. Mince. Ah bah, je suis con. Quand on est con, on est con. C'est collé là. Le Palacinca, il est marqué dosage. Oh, puis c'est abîmé. Là. Je crois que c'est 15 en 50-50 et 20% en 20-80. Donc 25% en full VG. Je suis en full VG. J'ai donc mis en full VG. Dosé à 25%. Fait le 27 avril. J'ai mis ça sur mon Druga en double fuse full NI80 à 0,2 ohm. Accu pas tout à fait à fond. Mais c'est très bien comme ça. Le Palacinca, une alliance de tarte au citron meringué, glace vanille et crêpe à la crème citronnée. Autant vous dire que normalement, il va y avoir du citron dans l'air. Putain que c'est bon. Pardon. C'est bon. Là, ça me fait... Airflow pas ouvert à fond, forcément. Là, ça me fait une vape un peu froide au début, mais qui est tiédie sur la fin. Donc, c'est bien comme ça. Tarte gâteau citron, oui, tarte gâteau. Là, c'est marqué tarte citron, tarte gâteau. Comme d'autres concentrés, d'autres marques, tout va dépendre, encore une fois, du montage et de la puissance. Je vois énormément de posts sur Facebook, pour ne pas le citer, que je ne me mêle même pas de ces discussions-là à deux balles, parce que ça ne sert à rien. Je vois énormément de posts où on dit oui, ce jus-là, non, il n'y a pas ça. Ce jus-là, c'est pas bon. Ce jus-là, si. Ce jus-là, ça. Je l'avais dit pour le Talac Réserve. Pour le Talac Réserve, dans le Goon, j'ai un goût fumé prononcé fort. Et dans le Druga, beaucoup moins et plus crémeux. Donc ça dépend vraiment du matos qu'on utilise et des montages. Encore une fois. Sur le Druga, en double fuse. On me dit pas tarte, je dis pas tarte. Mais je dis gâteau citron, excusez-moi. Je dis gâteau citron. Le citron est bon. Citron jaune. La pression de crêpe, légèrement, toute légèrement. Mais alors, quand on dit des mots, des fois, il ne faut pas les prendre au premier degré. Enfin, faut pas les prendre au premier degré, il faut les prendre comme on les dit. Mais il faut aussi un petit peu de s'imaginer. Quand on fait des crêpes, on fait cuire la pâte dans la poêle. Et par moments, ça fait des petites taches marron sur la crêpe où c'est un petit peu grillé. J'ai sur la fin de la puff une impression de cette pâte légèrement grillée. Je l'ai sur la fin. J'ai cette impression de crêpe légèrement grillée sur la fin de la puff.
Mais ce qui me vient surtout sur le citron, effectivement, on parle de crêpes à la crème citronnée. J'ai vraiment cette impression de crème ou de nappage citronné acidulé. C'est comme ça que je me l'imagine. Moi, je le trouve super bon. Je le trouve super bon. Gâteau gourmand citron au début et la légère impression sur la fin des petites taches sur la pâte à crêpes qui est légèrement grillée dans la poêle et une impression de crème, voire nappage citronné, légèrement glacé citronné. C'est super bon. J'ai cette impression, écoutez, il y a des gens qui disent je sens pas la crêpe. Oui, peut-être. Si tu le testes à 20 jours à 15 watts, tu n'auras pas de crêpe. Tu n'auras peut-être même pas de crème citronnée, j'ai envie de te dire. À 25% en full VG, j'ai cette sensation. Au début, gâteau citron, et pendant et sur la fin, de crêpe légèrement grillée et de crème, crème nappage citronné, comme on a sur les gâteaux, les nappages, je stick sur les mousses et tout, là. Cette impression de citron comme ça. C'est super bon. Celui-là, il est super bon. Moi, je l'aime bien. Sur la fin, ça reste. Sur la fin, c'est le goût légèrement grillé de la pâte qui reste. On le sent. On le sent. Comme disait mon père, il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit. On le sent. Sur le goût, on passe au Fruit Blast. Pareil, 25% le 27 avril. Superbe salade de fruits gorgée de soleil, made in La Réunion. Le plein de vitamines en quelques bouffées. Fraises, alors on nous dit fraises, goyave, pastèque, mangue, passion. Quand on me donne plein de noms, comme là un ami aussi, j'y reviendrai peut-être Gauthier qui m'a envoyé deux jus, là, où la description doit y avoir 10-15 goûts décrits. Quand il y a beaucoup de noms comme ça, voilà. Maintenant, pour en avoir un tout petit peu parlé avec Émeric depuis, fraise, goyave, pastèque, mangue, passion. Quelqu'un va s'attendre à sentir de la fraise, de la goyave, de la pastèque, de la mangue et des fruits de la passion. On n'annonce pas de frais, c'est pas frais. C'est effectivement de la salade de fruits super juteuse. Et comme j'ai dit avec Emeric, là c'est pareil, là je baisse un tout petit peu. Entre un début de puff, une fin de puff, entre une puff de 1 seconde et entre une puff de 3 secondes, on n'aura pas les 5 goûts, mais on aura des goûts différents. Si je prends une longue, j'ai plus d'amertume que sur une courte, tout en restant toujours sucré. Manque passion, ça y est, je le sens. La pastèque, je l'ai par moment. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais ça m'est arrivé cette semaine ou la semaine dernière. Cette semaine, je crois, au taf. Ça m'est arrivé d'avoir une légère pointe de fraise à la fin. Je l'ai senti. Donc, je le dis. Là, je ne l'ai pas. J'ai de la mangue, j'ai de la passion. J'ai une petite amertume. Je crois que c'est la passion qui fait ça. Je ne suis pas sûr ou la mangue, j'en sais rien. En même temps, ce n'est pas des fruits que moi j'aime forcément manger, mais c'est des fruits des fois que j'aime bien boire en jus ou vapé. Au même titre que la pomme et la poire, j'ai expliqué, la pomme j'aime bien la manger, j'aime moyennement la vaper, la poire j'aime pas trop la manger et j'aime bien la vaper. Ce n'est pas des fruits qui m'attirent foncièrement en fruits comme ça, moi, ma femme oui, moi non, enfin moins. Par contre, à boire en jus ou à vaper comme ça, ouais, c'est super bon. Effectivement, gorgée de soleil, super salade de fruits, gorgée de soleil, made in La Rune. J'ai envie de vous dire salade de fruits bien juteuse, sucrée une fois de plus, juste comme il faut, mais par les fruits. Là, j'ai plus de mangue.
Je viens de remettre des gouttes, j'ai plus de sensation de mangue. Quand le coton est plus gorgé, j'ai plus l'impression de mangue. Bien juteux. Et quand ça va être sur la fin ou quand il y aura moins de jus sur les cotons, j'aurai peut-être plus de passion et plus de. Un peu de mangue, plus de passion et une touche de pastèque. C'est super bon. Merci mon ami Émeric, c'est super bon. Sur Dynvap, je ne sais plus combien c'est, 5 ou 6 euros, je mettrai le lien de toute façon, les 10 ml. Le Palacinka est un super bon gourmand, très, très bien réussi. Et le Fruit Blast n'est pas frais, mais c'est une super bonne salade de fruits, bien juteuse, sucrée par les fruits, avec des goûts, suivant les montages, suivant les puissances, et suivant les durées de la puff. C'est mon avis. C'est mon avis. J'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. C'est très très bon. Merci à vous et je vous souhaite à tous une excellente vape.